L'objectif était de construire un bâtiment dédié à l'enfance, petite enfance, c'est-à-dire une école maternelle de deux classes et puis un pôle école élémentaire. Ces deux entités étant reliées par une grande salle de motricité utilisable par les deux entités maternelles et périscolaires. Nous avons réalisé des toitures en pente. C'est une toiture simple pente qui vient se dérouler de manière verticale en façade du bâtiment, donc, et qui fait signe. Et cette utilisation des tuiles de multiples couleurs permet au bâtiment de s'insérer dans son territoire, dans son milieu, en jouant sur les couleurs qui viennent faire une résonance aux toitures existantes. Ce bâtiment présente une typologie en U, qui permet de créer un patio entre l'aile élémentaire et l'aile maternelle. Et de ce fait, ce patio baigné de lumière tout au long de la journée permet de protéger aussi les enfants évoluant à l'intérieur par rapport au vent dominant. Pour ce bâtiment et pour les bâtiments dédiés à l'enfance et à la petite enfance, nous faisons attention à ne pas utiliser trop de couleurs dans les bâtiments. Parce que ensuite, avec tous les dessins que les enfants vont réaliser, la couleur de leurs vêtements, etc., ça peut faire une surenchère de couleurs et puis c'est pas très reposant. La problématique de l'apport de lumière naturelle dans le bâtiment a été résolue grâce à de multiples puits de lumière qui sont occultables grâce à une télécommande. Les circulations sont agrémentées de petites boîtes qui servent de vestiaires, bancs vestiaires. Et puis, donc, elles permettent aussi l'exposition d'objets réalisés par les enfants.